Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie Galante. L'Amical Club de Marie Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Vous êtes dans le TICAC intégral. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de télé, CSM, Amical TV, ASG TV, Guadeloupe TV. Ce week-end, sur vos chaînes de foot, sur YouTube, tous les enjeux de la 17e journée de championnat de Régional 1 seront à vivre en intégrale. Ce samedi, dès 16h, sur Amical TV, deux matchs pour la survie des amicalistes seront à suivre. Trois équipes, dont l'Amical Club, encore menacée par les play-downs et se tenant à un point, s'affrontent. L'Amical, 6e avec 34 points, reçoit la Red Star, 9e avec 33 points. Dans le même temps, Amical TV suivra à distance, grâce à Joli Jérôme, qui sera également en direct sur Total Sport, la rencontre entre le Sporting 8e avec 34 points également, face au Stade Lamantinois 5e avec 37 points. Dans cette poule A, l'enjeu sera présent en queue de classement. Que vous allez suivre sur Total Sport, mesdames, messieurs. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie Galante. L'Amical Club de Marie Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Thank you.
Et alors que l'amicale est donc menée 1-0 en ce début de rencontre, on va suivre, on vous l'avait promis, ce qui se passe également du côté de Bemao avec ce match entre le Sporting et le Stade Lamantinois, où nous retrouvons tout simplement Joli Jérôme, parce que vous le voyez, la rencontre a pris un petit peu de retard et n'a pas encore débuté. Et plus. C'est YouTube qu'il faut mettre les directs. Donc maintenant, c'est vous qui me dites ce que je dois faire. Donc je vous dis que le match est en direct également sur YouTube. Maintenant, vous me dites que, où je dois mettre les directs. Donc voilà. Voilà, et on revient bien sûr à Marie Galante. Le match donc entre le Sporting et le Stade Lamantinois, qui sera important dans la survie de l'amicale, n'a toujours pas débuté. Vous voyez, on va le suivre hein, en double fenêtre, bien évidemment, sur Amical TV. Merci de nous suivre en tout cas. Et vous avez compris, ces deux matchs sont d'importance pour l'Amical, et l'Amical qui doit d'ores et déjà réagir après être mené 1-0 dans cette rencontre. Alors on va tout simplement se concentrer pour l'instant sur ce début de match entre le Sporting et le Stade Lamantinois avec notre ami Joli Jérôme. Derrière, c'est le Stade Lamantinois qui a la possession du ballon avec son maestro Frazier Cachelet qui trouve son compatriote sur le côté droit, mais le contrôle de Zinho Alcius, c'était un peu trop long. Et c'est le Stade Lamantinois qui met le pied sur le ballon dans cette première minute de ce match. Attention à ce ballon sur le côté droit. Intervention de Adi Robert Castri, un patron pour jouer ce ballon, même si derrière sa relance était mauvaise. Et derrière cette passe de Daryl Navis sur le côté en direction de Lopé Lucas, qui était trop court pour jouer ce ballon, qui est sorti dans le décor 6 mètres pour cette équipe du Sporting Club du Bemao. Il faut noter qu'il y a 4 matchs à l'affiche en cet après-midi. 4 matchs à l'affiche cet après-midi, en fait 5 matchs à l'affiche en cette poule A. En fait aujourd'hui c'est la poule A qui joue demain. Demain il y aura également un 5 matchs, c'est dans la poule B, dont l'AS Gosier qui va recevoir le CAM. Donc l'AS Gosier qui est donc en deuxième. Alors, c'est la Solidarité Scolaire qui est donc un leader dans cette poule B. Donc, il faut noter également, le match entre le CSM qui reçoit Racing Club de Basse-Terre, le CFA Football Club joue contre l'USR dans la poule B. Mais attention, on va revenir, attention à ce ballon, la tête de Jouranen pour mettre le ballon en direction de Mehdi Semak. Le contrôle de Mehdi Semak chassé par le défenseur qui récupère toujours ce ballon. Le contrôle de Opelika, Mehdi Semak se bat et finalement Opelika récupère ce ballon. Intervention de Davy Marie Saint pour mettre ce ballon en touche. Donc je disais que le Sirocco reçoit la Solidarité Scolaire, l'USBM joue contre la JSVH. Ah si, c'est vrai que l'USBM et la JSVH ces deux clubs sont certains de rester en régional une la saison prochaine.
En revanche, pour Racing Club de Basse-Terre, ils sont en dernier dans cette poule B. Donc, ça va être compliqué d'espérer une place en régionale 1 la saison prochaine. Et derrière l'USA qui fait un bon retour après un mauvais début. Donc, cette équipe de l'USA qui va jouer les play-down. Donc, on attend pour savoir. Il y a également le CAM qui va jouer play-down, tout comme voilà, le CFA n'est pas dedans. Donc, le Sirocco des Abîmes a déjà validé. Attention à ce ballon qui est passé au-dessus des buts gardés par Coupole Ferdi. Il y a le vent qui donne beaucoup de contraintes de dégager sur Johanen. Johanen pour mettre le ballon profondément en direction de Richie Mita. Non, c'est Dylan Rebaille qui avait fait la différence de la tête. Et derrière, c'est Lionel Colonno pour jouer en retrait sur son portier Mario Benoît. Cinquième minute de jeu bouclé ici au stade Fiasco Duchesse. Zéro but partout entre les deux formations. Et vous êtes sur Total Sport. Il faut noter au moment où nous parlons, l'Arensa traîne ses bottes sur la pelouse de l'Amica Club de Marie-Galante. L'Arsenal Club de Petitbourg reçoit la Juventus en de Sainte-Anne, toujours dans la poule A. Et la Gauloise de Basse-Terre et le Phare de Petit Canal, c'est le choc pour la première place dans cette poule A. Jeunesse Évolution, l'étoile de Monalo, c'est un beau duel aussi. Richie Mita qui avait oublié le ballon. Et c'est une touche pour le Sporting Club de Bémao. Vous êtes en sur Total Sport. Bonsoir Alain Jean qui suit ce match avec nous. Joseph Alexandre, Astrel, Clercius, Serge, Pierre, Fabrice, Thomas, Jean-Robert Malone qui est également avec nous. Bonsoir, ouais, Marie, la maman du coach Stéphane Francis qui suit le match de l'autre côté. Attention, Devi Marie-Sainte. Intervention. Non, la touche est donc pour le stade de la Montinois, mais l'arbitre, ils se sont trompés et ils donnent la touche pour à cette équipe du stade de la Montinois. Bonsoir, Givlor Toussaint, Charles, Adjussel, Jean-Marie, qui suit également ce match avec nous. Bonsoir, nos amis d'Haïti, nos amis des États-Unis d'Amérique, ici dans notre base, Tono Guadeloupéen. Je salue tous les Abimiens qui sont avec nous. Chan Remendi, qui contrôle. Il a été descendu, a indiqué l'arbitre central Rudy Deviandroane. Un coup franc pour les Lamantinois avec Jacques et Nicolas qui évolue avec le 17 en dessous de Lamantinois, mais très performant sur son couloir à gauche. Dylan Rebaque qui met le ballon, mauvaise passe de Dylan Rebaille, qui intervention avec Castri qui met en difficulté le portier derrière ce dégagement. Et heureusement, le Sporting va bien récupérer cette passe sur c'était pas un cadeau pour le portier Ferdi Coupole. Bonsoir Evi et Carmazol. Huitième minute de jeu bouclé. Attention à ce ballon dans la surface. Récupération du Sporting avec Faden Marie-Joseph. Et on va bien sûr retourner à Marie-Galante, Amical Club qui reçoit la formation de la Red Star. Et toujours 1-0 pour les Pointois. Tournage et réalisation de Julio Ramotte. Vous savez que Julio ainsi que Jeremy Douglas sont suspendus. Et c'est eux qui, bien sûr, nous permettent de réaliser ce direct. Toujours 1-0.
pour la Red Star face à l'Amicale. Et 0-0, vous le voyez, entre le Sporting et le Stade Lamantinois. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est la mauvaise opération qui est réalisée par l'équipe marie-alentaise. Thank you.
En tout cas, l'amicale qui a les plus grosses difficultés à revenir dans cette rencontre menée depuis le départ. Alors que là, ce sont du côté de Bemao, les joueurs du Sporting qui poussent pour ouvrir le score face au Stade Lamantinois. Mais vous le voyez toujours, 0-0 entre les deux formations, 1-0 pour la Red Star à Marie-Galante. On y retourne sur un tournage de Giulio Ramotte qui nous fait l'amabilité de retransmettre cette rencontre qui est très importante. Vous savez qu'il reste deux matchs dans la phase régulière. Le Sporting ainsi que l'Amicale de Marie-Galante sont à égalité de points, 34 points. La Red Star est à 33 points, donc ça veut dire qu'il ne faudrait pas que les Pointois l'emportent ce soir parce qu'il passerait devant l'Amicale. Et si jamais le Sporting réalise une belle performance également, eh bien ça relèguerait tout simplement la formation amicaliste en position de play-down, c'est-à-dire de jouer les barrages pour ne pas descendre, ce qui serait bien sûr une aventure délicate. On ne joue plus du côté de Marie-Galante. On va donc aller voir ce coup franc assez lointain pour la formation du Sporting, mais qui ne donne rien. Ça va repartir du côté de la Red Star à Capesterre. Et je vous fais bien sûr profiter de l'ambiance sur place. Allez, vas-y!
et l'avantage à la défense qui va permettre à la Red Star de repartir. Et du côté de Bemao, vous le voyez, c'est la formation du Sporting qui se trouve systématiquement dans le camp du Stade Lamantinois. Donc les Bemaosiens essaient de pousser pour ouvrir le score. Encore un centre bien pris par le gardien. Ils peuvent être redoutables en contre, hein, faut faire attention bien sûr. C'est comme ça qu'ils ont ouvert le score. Et on va, avec cet arrêt de jeu là, pour blessure, aller du côté de Bemao plus directement. Un ballon entré sur Mario Benoît, qui dégage à son camp la déviation désignant Alcius, Ancio Chad, Rumendi, Darren Lavis, Frazier Cachelet en retrait. Ferdi Félicien, ce ballon a été contré et sorti en touche pour les visiteurs. Attention, ce ballon en direction de Chad Remendi, la frappe de Chad Remendi. Cette frappe de Chad Remendi qui est passée à côté. Un début de départ. Voilà, donc ça ne donnera rien pour la Red Star. On retourne bien évidemment du côté de Capesterre de Marie-Galante pour retrouver l'amicale. L'amicale en difficulté menée 1-0 depuis le début de la rencontre. Castré, Richie Mita, le contrôle de Richie Mita qui vont être sur Azé Robert Castré derrière cette passe. Zeno Alcius au milieu de terrain sur Joe Merabli, Darrell Navis. Attention à cet appel, les très bonnes interventions du joueur Midro qui va chausser ballon. Darrell Navis à la récupération.
Et ce ballon a contrôlé par Steven Rabon qui voulait jouer sur son capitaine Mehdi Semak. Frazier Cachelet, Darren Lavis pour éliminer Marvin Kinol. Opelika, la passe de Opelika. Intervention de Mario Ito pour mettre ses ballons en touche. 06-90-93-65-88, c'est le numéro. Ah, toujours 0 à 0 dans cette partie entre le Sporting et le retour à, bien sûr, à Marie-Galante, Capesterre. Et il faut, bien sûr, comme le disent les supporters, égaliser pour l'amicale. Le gardien qui arrive à s'imposer dans les airs. Deuxième but pour la Red Star sur penalty. Incroyable scénario, l'amical vraiment grande difficulté sur cette fin de championnat. Et dire qu'il y a 6 journées, on se disait qu'ils avaient amorcé une belle série avec 4 matchs sans défaite et 3 victoires. On pensait qu'ils étaient sortis d'affaire, et bien non. Maintenant menés 2 à 0 par cette formation de la Red Star. Ah, vraiment, les choses se compliquent du côté de l'amicale de Marie-Galante. Et vous êtes toujours très nombreux à nous suivre. Vous n'avez pas encore lâché. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, un petit problème de... Voilà, c'est reparti. Là, vraiment, ça va être compliqué pour la suite. Avec, si ça continue, ce profil, les play-downs. Les playdowns et la survie face à les 8e ou au 9e, ça dépend de la position qu'occupera l'amicale.
Alors c'est vrai que le Sporting ne mène pas, mais le Sporting marque un point pour l'instant face au Stade Lamantinois. Donc c'est vrai que ces deux matchs de la poule A se jouent entre trois équipes qui sont au même niveau pratiquement. Et malheur au vaincu, et pour l'instant c'est l'amicale qui fait la mauvaise opération. À Marie Galante, voilà, très souvent quand l'amicale mène, il y a de l'ambiance. Très souvent, il y a de l'ambiance à Marie Galante. Voilà, vous sentez qu'il y a vraiment du football là. En termes de ce que les publics proposent. On a perdu Capesterre de Marie Galante, toujours 2-0 pour la Red Star, mais on va retrouver Julio Ramotte dans quelques secondes. A tout de suite. Merci beaucoup Sylvestre, de toute façon tu nous tiens informés. Tu nous tiens informés. Attention Daryl Navis à droite, attention Lionel Colonneau. Lionel Colonneau, mauvaise passe, et ballon donc profitable à cette équipe du Stade Lamantinois. Et derrière cette passe du gauche, danger pour le Sporting Club de Bémaro. Attention, Chadre Mendy, et corner pour le Stade Lamantinois. Ah, il a une très 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 grosse frappe, Chadre Mendy. Alors, pour. Je vais voir comment ça se passe du côté de Marie Galante. Hein, si le score a bougé un peu. 2-0 pour la Resta au dépens de. 2-0 pour la Resta au dépens du. Au dépens de l'Amical Club de Marie Galante. Donc voilà, 2-0. Pour cette équipe de la Red Star au dépend de l'Amical Club de Marie Galante. Attention à ce ballon. La frappe a manqué. Il y a faute pour. Il y a faute pour le Stade Lamantinois. En suivant l'indication de l'arbitre. Voilà, 2-0 pour cette équipe de. La RSA qui est en train de dompter l'Amical Club de Marie Galante à domicile. Et c'est un coup franc à venir pour cette équipe du Stade Lamantinois. Sur ce coup franc, il n'y a pas de Ryan Gilbert, peut-être Chad Rumendi pour exécuter ce coup franc à venir. Vous êtes sur Total Sport. Je salue mon ami Richard Gagné qui est de l'autre côté pour ce match. Amical Club de Marie Galante, la RSA. Un coup franc à venir, on joue exactement la 38e minute de jeu en première période. Un coup franc pour cette équipe du Stade Lamantinois. Et sur ce coup franc, ils sont deux. Chad Romendi et Zinho Alcius qui pour faire la différence. Il y a Joe Merabli qui est donc arrivé sur cette affaire. Un coup franc avec Chad Romendi. Et Chad Romendi pour exécuter ce coup franc. La 39e minute de jeu bouclée bientôt. Ici au stade. Fiesque Duchesse, ils sont trois sur ce coup franc. Est-ce Chad Romendi ou Zinho Alcius pour exécuter ce coup franc? C'est Chad Romendi! Et voilà l'ouverture du score ici à Bémaro. Chad Romendi qui punit cette équipe. Chad Romendi qui punit cette équipe du Sporting Club de Bémaro sur ce coup franc. Voilà. La situation est décantée ici à Bémaro. Chad Romendi. 39e minute de jeu. Ben voilà, au moins pour l'instant, ça sera pas le Sporting qui fera l'écart avec l'Amical de Marie Galante. Mais enfin, on peut pas s'en réjouir non plus de voir que l'Amical toujours est menée 2-0 juste avant la mi-temps. Dans 2 minutes, la mi-temps à Capesterre, on essaie de retrouver la liaison avec
Julio Ramotte qui réalise pour nous, qui filme pour nous cette rencontre. Mais là, on a assisté en direct au but du Stade Lamantinois, commenté par Joli Jérôme. Fraisier Cachelet, Daryl Navis. Fraisier Cachelet assure Nicolas Jacquet, le contrôle de Nicolas Jacquet. Faden Marie-Joseph, il a mis trop de temps pour exécuter cette passe. Et derrière, il se bat pour récupérer ses ballons. Il y avait une bousculade. Coup franc pour le Sporting Club de Bemaro. Chad Romendi qui punit cette équipe du Sporting Club de Bemaro. Un but à zéro pour les Lamantinois. Ballon outré sur Jean. La passe de Jean. Mario Ito, Jérôme Hidroit, mauvaise passe de Jérôme Hidroit, attention, Fraisier Cachelet, derrière cette passe de Jérôme Rabli, était mauvaise, et derrière, il est chassé par Marvin Kinol, mais très bonne protection, un de Jérôme Rabli, et ce ballon qui est sorti dans le décor. Et ce ballon qui est sorti dans le décor, dans vos intentions, Total Sport. Continuez à partager, continuez à abonner avec nous. Sur Facebook, Total Sport IS. Et ce ballon à droite sur Devi Marie-Sainte. Mauvaise passe. Et ce ballon à droite sur Devi Marie-Sainte. Mauvaise passe de Devi Marie-Sainte. Intervention. Ferdi Félicien. Jacques et Nicolas. Il y a faute de Richie Mutant sur Jacques et Nicolas. Attention, attention à ce ballon sur Chad Remendi, l'ancien joueur de l'ISBM pour mettre les ballons. Attention, Joey Mirabli. Faden Marie-Joseph pour contrôler ce ballon. Faden de posséder. Il y avait faute à indiquer l'arbitre central du match. Assez serein pour diriger son match. Muta en touche pour les visiteurs. Ferdi Félicien, Dylan Rebach, Lionel Colonneau à la Lille. Le Stade Lamantinois avait gagné très largement au dépens du Sporting. Attention à ce ballon, Fraisier Cachelet. La passe de Fraisier Cachelet, elle est trop profonde. Il a voulu jouer sur Zinho Alcéus. Oui, si t'arrives, et du côté de Capesterre de Marie-Galante, toujours 2 à 0 en faveur de la Red Star. Et donc on continue à suivre cette rencontre entre le Sporting et le Stade Lamantinois, mais toujours 2 à 0 pour la Red Star face à l'amicale à Capesterre de Marie-Galante, en tout cas. À quelques minutes de la mi-temps seulement. Ballon qui a été contré, sorti en touche. Le Stade Lamantinois qui mène par un but à zéro. But inscrit à la 39e minute en de jeu par Chad Rumendi sur un coup franc. Intervention de Mario Ito. Faden Marie-Joseph sur Rabon, mais défoncé par Dylan Rebach. Lionel Colonneau qui va prendre le couloir. Lionel Colonneau, intervention. Jérôme Hidroit. Il y a faute pour cette équipe du Stade Lamantinois. 45e minute en de jeu. En ce match,
Donc, c'est la mi-temps entre la Juventus et l'Arsenal, 0 but partout. Voilà, pour le moment, le score n'a pas bougé. Les trois, les jeunes évolutions, 0 but partout. Amical qui est donc en difficulté, Reds s'amène par 2 buts à 0. Arsenal Juventus sans 0 but partout. Gauloise fort 0 but partout. Et le stade de la Mandinois mène par 1 but à 0. Attention à ce coup franc exécuté. Et ce ballon relâché par Jean. La passe en retrait sur Jackie. Sur Amical TV, Edouard Moulin des Antilles présente le direct intégral du match de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante apporte de l'eau au moulin des GMA. Une première période logiquement remportée par le stade de la Montinois qui était mieux dans cette première période. Donc voilà. Nous, on va observer une pause. Voilà, on va observer une pause. Le temps de vous retrouver tout à l'heure pour la deuxième période de ce match. À rappeler que le Sporting est donc en difficulté face à cette équipe du stade La Mantinoire. Et voilà, sur les autres terrains, le score n'a pas bougé à part à Marie-Galante où l'Aressa mène par des buts à 0. Et que nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de Télé CSM, Amical TV, AS Gosier, TV et Guadeloupe Foot TV. Ce week-end, sur vos chaînes de foot, sur YouTube, tous les enjeux de la 17e journée de championnat de Régional 1 seront à vivre en intégrale. Ce samedi, dès 16h, sur Amical TV, deux matchs pour la survie des amicalistes seront à suivre. Trois équipes, dont l'Amical Club, encore menacée par les play-downs et se tenant à un point, s'affrontent. L'Amical, 6e avec 34 points, reçoit la Red Star, 9e avec 33 points. Dans le même temps, Amical TV suivra à distance, grâce à Joli Jérôme, qui sera également en direct sur Total Sport, la rencontre entre le Sporting 8e avec 34 points également, face au Stade Lamantinois 5e avec 37 points. Dans cette poule A, l'enjeu sera présent en queue de classement. Que vous allez suivre sur Total Sport, mesdames, messieurs. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Vous êtes dans le ticket intégral. Puis, dimanche, dès 15h45, c'est le haut du classement de la poule B qui intéressera vos chaînes de foot. En direct intégral, sur Solidarité Scolaire TV, le leader solidaire se déplace aux abîmes pour y affronter le Sirocco. Vous regardez Solidarité Scolaire TV, la chaîne YouTube officielle de la Solidarité Scolaire. Match replay. Le match en direct intégral sur Solidarité Scolaire TV. Au même moment, c'est la seconde place du classement qualificatif pour les demi-finales des play-offs qui sera âprement disputée. En direct intégral sur TéléCSM, les Mouliens, 3e avec 49 points, reçoivent le Racing de Basse-Terre. Vous regardez TéléCSM, la web TV du club sportif Moulien. En direct, le match du CSM sur TéléCSM. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes le direct intégral. Club sportif Moulien, le plus beau palmarès du foot guadeloupéen. Nous voyager dans les étoiles, nous qu'est voler dans les étoiles. Tous derrière le CSM. Club sportif Moulien, un club, une culture, un avenir. Et dans le même temps en direct sur GoFoot TV, puis en différé sur AS Gosier TV, les Gosieriens, second avec 49 points également, accueillent le CM Marquisa. Sur AS Gosier TV. Vous êtes dans le ticket intégral. Match replay. AS Gosier, Guadeloupe. L'AS Gosier, champion de Guadeloupe 2021 et 2022. Troisième de la Ligue des clubs champions de la Caraïbe amateur en 2022.
Ce week-end, sur vos chaînes de foot, les enjeux sont à tous les étages. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Vous êtes dans le ticket critique, voilà. Voilà donc pour la reprise du côté de Bemao entre le Sporting et le Stade Lamantinois. Autre match que nous suivons bien sûr à distance dans l'intérêt, on va dire, de la fin de saison difficile de l'Amical. Vous le voyez, l'Amical menée à la mi-temps 2-0 par la Red Star. Une balle de contre dès la 5e minute de jeu et un pénalty à la 35e. On fait que les Pointois mènent 2-0 en terre marie-galantaise. Alors on va essayer de retrouver cette fois Henrik Bordin pour la deuxième mi-temps. Mais pour l'instant, nous sommes en compagnie de Joli Jérôme pour ce match entre le Sporting et le Stade Lamantinois. A tout à l'heure, direction Capesterre. Voilà, c'est bon. J'avais complètement oublié. Voilà, c'est bon pour la chaîne YouTube également. Donc voilà, et l'étoile de Mandalo qui mène par 1-0 au dépens de cette équipe qui va jouer en retrait. Le dégagement de Mario Benoît, la tête de Devis Marie-Saint, Marvin Kinol qui va perdre ses ballons. Frazier Cachelet pour trouver Opelika, le contrôle de Opelika en retrait. Daryl Navis, la passe de Daryl Navis, intervention de Joey Merabli, Frazier Cachelet à droite sur. Dylan Roebuck, la Juventus de Saint-Anne qui mène par 1-0 au dépens de l'Arsenal Club de Petit-Bourg. Donc tous les résultats sur Total Sport. Attention, danger pour cette équipe du Sporting. Chadru Mendy, et c'est le portier qui a capté le ballon. Quelle parade du gardien. Donc la Juventus qui mène. Attends. Juventus 1, Arsenal 0. Donc c'est bien ça. Attention, intervention de la tête. Daryl Navis en le dégagement. La tête de Joranen pour jouer ce ballon. Donc voilà, l'Arsenal Club de Petit-Bourg qui est donc en difficulté. Attention à ce ballon sur Marvin, en fait, Faden Marie-Joseph, Steven Rabon, Rabon qui contrôle, Rabon qui laisse au sol son vis-à-vis. Attention à la frappe de Steven Rabon. Et ce ballon qui a été contré, sorti en corner pour le Sporting Club de Bemao qui veut aller chercher, mesdames, messieurs, un but pour rester un peu en vie dans cette compétition. Pour aller égaliser donc du côté de l'Amical Club de Marie-Galante, je veux prendre un peu et l'attention pour voir comment ça se passe du côté de Marie-Galante. C'est toujours 2-0 pour la Red Star, mesdames, messieurs. Attention à ce ballon qui est donc joué à 2. Attention à ce centre à coup de tête. Oh là là,
C'est Johanen qui était monté plus haut que tout le monde pour placer ce coup de casque qui est passé au-dessus de but gardé par Mario Benoît. Ouais, c'est Johanen qui était monté aux avant-postes pour placer ce coup de tête. Heureusement pour le portier du stade de la Matinoire, ce ballon est passé au-dessus. Le dégagement. Intervention de Jérôme Miloir. Richie Mittard, ce ballon est contré. Sorti en touche pour les Lamantinois avec Lionel Colonneau qui va jouer ce ballon en retrait. Donc Sporting doit aller chercher à cette équipe du stade Lamantinois qui est plutôt tranquille depuis le début du match. Ferdi Félicien. Mario Benoît, Dylan Rebac, Lionel Colonneau. Lionel Colonneau qui fait la différence hein, sur son flanc droit. La passe de Lionel Colonneau. Il n'y a pas position de jeu de Charles Rumendi. Si Charles Rumendi était signalé en position de jeu. En tout cas, j'aime bien l'arbitrage de Davy Antoine. Voilà, très calme, très très serein, il fait son match. Voilà, il gère le match. Voilà, il ne met pas de carton inutilement. Donc voilà, moi j'ai dit quand un arbitre est capable de gérer un match, pour terminer le match avec le moins de carton possible, c'est bien, même si ce n'est pas un match qui a beaucoup de... Voilà, beaucoup de contacts, beaucoup d'anti-jeux. Mais voilà, l'arbitre sur les actions qu'il avait à gérer, donc jusqu'à présent, il fait son travail. Attention, cette touche sur Mehdi Sema qui est passé. Attention, ce ballon qui va sortir en corner, pour le Sporting Club de Vémaro. À 6e minute de jeu en 2e période. Les Lamantinois qui mènent par un but à 0. But inscrit par Mehdi. En fait, c'est pas Mehdi, pardon, c'est Mehdi Chadru sur coup franc direct. Donc, il a assez. Faden Marie-Joseph qui va effectuer ce corner effectué. Premier poteau boxé par le portier et deuxième ballon profitable à cette équipe du Sporting Club de Bémaro avec Mehdi Semak. Mehdi Semak qui tourne sur lui-même, il n'y a pas position de rejet, il s'est bien joué. Attention, ouais, le portier directement pour le portier qui a capté ce ballon. Et derrière, il y a un joueur qui est resté au sol, un joueur de cette équipe du stade Lamantinois qui est resté au sol. Le temps pour moi de voir exactement ce qui s'est passé. Voilà, le ballon n'était pas sorti. Et là, il y avait rien. Hein. Il n'y avait rien du tout. En tout cas, c'est pour le moment, le Sporting est en train de faire une très mauvaise opération. La Gauloise de Bastère qui prend l'avantage face au fort de Petit Canal. La Gauloise de Bastère qui mène pour 1 but à 0 de point du fort de Petit Canal. Et il y a la Dame Puy qui est en train, qui fait son apparition au stade de Bémaro, stade Fiesque du Chelsea à Bémaro. Donc il y a toujours le joueur du stade de la Matinois qui est resté au sol. La Gauloise de Bastère mène par 1 but à 0 dans ce duel pour la première place. Attention au fort de Petit Canal parce qu'il y a cette équipe à l'étoile de Monalo qui est en train de monter en puissance. Bonsoir Bob Damas qui suit ce match avec nous. Nous sommes également présents sur
YouTube. Bonsoir Ulrich Boustan, merci mon frère. Bonsoir Corinne. Bonsoir Arthur Nègre, Eric Linon. Et la tête, attention. Dylan Roybach pour dégager ce ballon, même si c'est Medicema qui va contrôler ce ballon. Medicema qui va faire la différence. Il a été retenu par un joueur du stade d'Avantinois, ce qui donne un très bon coup fort à cette équipe du Sporting Club de Bemaro. En cas de victoire, le Sporting ferait quand même bonne opération, en sachant que la Juventus est en train de gagner face à l'Arsenal, la Ressa est en train de gagner, donc Sporting n'a pas droit. Le Sporting n'a pas droit. Allez, ouais, parce que sinon. Attention, ce ballon, la déviation de la tête, ce ballon a été contré. Du Robert Castré qui va dégager avec son pied gauche sur Medicemac. La déviation, elle est mauvaise de Medicemac. Attention, Zinho Alcius, ce ballon a été repoussé. En corner, cette frappe de Zinho Alcius à 16e minute en jeu. Cette frappe a été retournée, en fait, détournée en corner par le portier. Jean, cette frappe était très difficile. Bonsoir Jean-Paul Carabin. Bonsoir Fumon et corner à venir pour aller la Montinoire. Attention au premier poteau. Et ce ballon qui a donc mis au deuxième poteau, coup de tête de Zinho Alcius qui est passé à côté. Et on va tout de suite retourner du côté de Capesterre de Marie-Galante pour retrouver Henrik Bordin et la suite de cette rencontre entre l'Amicale et la formation de la Red Star qui mène maintenant, vous le voyez, 3-0. Alors que dans le même temps, eh bien, la formation du Sporting a égalisé face au stade Lamantinois. Donc vraiment, les affaires sont bien mal embarquées pour l'Amicale. Thank you.
Voilà, vraiment les Marie-Alentais bien mal embarqué dans cette rencontre menée 3-0 par la Red Star. Ça coupe tout simplement le sifflet d'Henrik Bordin, notre reporter sur place, qui nous propose désormais maintenant ces images de bonne qualité, enfin on va dire, mais malheureusement pour le score, c'est bien mal embarqué pour la formation. On va peut-être aller aussi du côté de Bemao, puisqu'il y a encore visiblement du nouveau. En tout cas, je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé, on va voir. C'est pas évident de suivre les deux matchs en même temps. C'est un corner pour le Stade Lamantinois. Et encore une action là pour la Red Star, attention, oh là 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 là, sauvetage in extremis des Marie-Galantais. Encore une fois, la Red Star qui a pris vraiment les devants et l'ascendant sur cette formation Marie-Galantaise chez elle. Ça augure de rien de bon avant les playdowns. Vous le savez, ce seront les 8e et 9e de chaque poule. La poule A, donc celle de l'amicale, et la poule B, qui vont se retrouver ensemble. Ah, aucun commentaire du côté de Capesterre. Il est sans voix, Henrik Bordin. Donc je suis obligé de vous expliquer, même si vous avez les images, de toute façon, ce qui se passe. Vous avez bien compris que c'est très très mal embarqué et très mauvais pour la formation Marie-Galantaise. Peut-être, non, j'allais dire une occasion pour les Marines, mais non. Et de l'autre côté, c'est le Sporting qui fait la bonne opération, puisqu'ils étaient à égalité de points avec l'Amicale avant cette 17e journée, avec peut-être un centre là. Non, mais qui n'est même pas parti. Ils étaient à égalité, le Sporting, avec l'Amicale. Ils vont prendre 2 points d'avance. Donc il va falloir faire les comptes au niveau du... Même la Red Star va donc dépasser l'Amicale, ce qui veut dire que l'Amicale va se retrouver 8e. La Red Star les dépasse. Ils étaient à un point derrière. Ils en marqueront 4. Un match n'est jamais perdu et fini d'avance, bien sûr. Mais enfin, on peut considérer qu'en début de seconde période, 3-0, ils ont fait vraiment l'essentiel. Et vous êtes quand même toujours très nombreux à nous suivre. Alors ça veut dire que vous êtes quand même... peut-être pas optimiste, mais en tout cas vous tenez à vos couleurs et ça serait bien que les joueurs le manifestent sur le terrain, qu'ils ont du monde qui les suive, et que ça serait quand même dommage de se retrouver à la fin de la saison en R2 avec un public comme celui de Marie-Galante qui est toujours très nombreux, toujours attention là avec cette balle qui va finalement être dégagée par la défense de la Red Star. J'aurais bien aimé que Henrik Bordin puisse m'aider, parce que moi je suis à distance et c'est pas évident de commenter des images sur des images qu'on reçoit. En plus, je veille à voir l'évolution sur l'autre terrain. Le Sporting, il manquerait plus que le Sporting marque un deuxième but et l'emporte 2-1 face au Stade Lamantinois, parce que là, d'ailleurs on va voir ce qui s'y passe. Le jeu est en milieu de terrain parce qu'il y a une petite coupure d'internet avec Capesterre. Ça aussi, c'est toujours les aléas de la diffusion à Capesterre de Marie-Galante. Ça rame. Donc on va peut-être aller directement voir ce qui se passe du côté de Joli Jérôme. Le temps qu'une image qui est complètement figée du coup du côté de Marie-Galante puisse revenir. Pour le Stade Lamantinois, il faut féliciter également Faden Marie-Joseph qui est très discipliné. Attention, Faden Marie-Joseph, attention à cette passe contrée derrière. C'est Jérôme Edouard qui ne parvient pas à récupérer ses ballons. Jérôme Edouard dépossédé de façon fautive. Il y avait faute sur la sentinelle de cette équipe.
Il y avait faute sur la sentinelle de cette équipe du Sporting Club du Bébarou, Jérôme Edouard. Opelika, chassé par Médicin Mag. Mais quelle combativité dit Opelika pour jouer ses ballons. Derrière, il a bénéficié d'un coup franc. Bonsoir Dimitri Lamode. Bonsoir Acacia. Bonsoir Harold. Corinne Alexis qui suit également à ce match avec nous. Zéro, mais qu'est-ce qui se passe à Marie Galante? Ben, j'aimerais le savoir, joli. Ouais, ça serait bien. Marie Galante, 3 buts à 0 pour cette équipe. Ah bah joli, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, je suis comme vous, je constate à distance le score et c'est bien affligeant d'ailleurs de voir cette formation marie-galantaise plongée. En plus, la liaison est très mauvaise, vous le voyez. Alors, j'espère qu'on va essayer de rétablir ça. Bon, on va aller vous voir. Tiens, joli, c'est quand même plus intéressant de voir un match dans de bonnes conditions. Allez, et surtout avec un résultat quand même. Qui est quand même pas en faveur de la formation amicaliste. Allez, ce ballon qui va être rendu à cette équipe du Stade Lamantinois, logiquement. Allez, c'était Médicema qui apparemment avait été touché, non? Ouais, c'est bon. Okay. Essaye de commenter quand même un peu, s'il te plaît. C'est moi qui suis obligé de commenter à distance, c'est pas terrible. Ok? Merci. Ballon en défense, intervention de Robert Castri, Marvin Kinol pour dégager ce ballon qui est donc contré, sorti en touche. En touche pour en cette équipe du Sporting Club de Bémao. En touche pour en cette équipe du Sporting Club de Bémao. Attention à ce ballon perdu, récupéré par Frazier, Cachely, Daryl Navis. À droite, c'est Lionel Colonno. Lionel Colonno qui appuie sur Daryl Navis. Intervention. Voilà, toujours, on l'a dit, un partout entre le Sporting et le Stade Lamantinois. Alors, on va essayer de retrouver Henrik Bordin du côté de Capesterre de Marie-Galante pour ce naufrage marie-galantais. Ouais, le temps qu'il ajuste sa caméra, ouais, parce que là. Ouais, la barrière, bon, c'est pas mal. Ça serait bien qu'on voit ce qui se passe dans la surface, parce que je crois qu'il s'est passé quelque chose. Ouais, avec le gardien marie-galanté qui était à terre. On va abandonner un petit peu notre ami Joli Jérôme pour retrouver Henrik Bordin qui a retrouvé une connexion peut-être un peu fiable. Attention à ce centre de la Red Star. La Red Star qui occupe vraiment la partie de terrain marie-galantais. C'est incroyable. Les marie-galantais se font manger, on va dire, chez eux. 3 à 0. Avec un nouveau corner pour la Red Star. Bon, j'aurais bien aimé qu'Henrik Bordin puisse commenter un petit peu. Bon, bah, on met juste l'ambiance alors. Voilà, donc ça serait bien qu'il dézoome un petit peu parce que là on a des gros plans, mais il peut pas suivre le match comme ça, c'est pas possible. Il a peut-être un problème avec son zoom, hein, je sais pas. Ah voilà, il a su dézoomer. Décidément, c'est pas la journée hein, du côté de Capesterre.
Allez, arrêt de jeu. Regarde de l'autre côté, sur l'autre fenêtre. Pour voir que les deux formations sont toujours à égalité un partout et qu'ici, à Capesterre, eh bien, c'est la déculottée qui se précise pour l'amicale. Une douche froide avec une Red Star qui était derrière à un point et qui va se retrouver devant avec deux points d'avance. Je peux vous dire que là, les playdown, ils y vont tout droit, les Marais Galantais. Ah, ils ont annoncé un but, mais non, il n'y a pas eu. Et non, pas de but, Marais Galantais toujours. Toujours 3-0. Allez, ça joue un petit peu mieux là. On y va. On abandonne deux secondes la caméra de notre ami Henrik Bordin. Mario Ito qui met le ballon, mauvaise passe de Mario Ito, très bonne récupération et ce ballon est très le colonel Lionel qui trouve son portier Jacques et Nicolas qui va prendre du terrain, la passe de Jacques sur Opelika en retrait. Daryl Lavis, qui a de l'espace devant lui. Et bien joué avec Zinho Alcis, le crochet derrière la jambe d'appui. Et derrière cette passe de Zinho Alcis, la tête de Jean-Pierre, très appliqué pour son début. Attention à ce ballon dans l'intervalle, danger. Intervention du portier, qui a joué comme Manuel Neyos ce coup. Et d'ailleurs, il a prouvé à même reprise. C'est un gardien qui est capable de laisser un saline, Médicémac. Un mauvais passe de Médicémac. Zinho Alcis, attention. Intervention de Johanen. Jean-Pierre. Allez. D'équipe du Sporting Club de Bémaro pour aller chercher un but qui ferait tellement du bien à cette équipe du Sporting, alors que sur les autres terrains, on n'a pas encore
Un nouveau corner pour le Sporting. Pour le Sporting avec Jérôme Edouard au second poteau. Intervention à nouveau de Mario Benoît. Ryan Gilbert s'apprête à faire son apparition sur le terrain à la place de qui. C'est ce qu'on va voir. Il y a que 3 joueurs dans la surface, 4. Attention, heureusement, attention, quel sombrero de Mario Hutto. Vous trouvez Mehdi Serra qui va appuyer sur le côté droit en direction de Jérôme Edouard. Et ce ballon est donc contré, sorti en touche pour le Sporting Club de Bernabéu. En tout cas, la dernière journée, ça s'annonce compliqué. Jonathan Toll qui va perdre ses ballons. Mais pourquoi il est entré, Jonathan Toll? Intervention de Adiro de Castri. Il y a faute. Deuxième avertissement. Et voilà les changements à venir. La sortie du numéro 13. Fraisier Cachené qui va céder sa place pour Ryan Gilbert. Voilà, un changement pour conserver ce score. Fraisier Cachené qui va céder à sa place pour. Allez, il cherche un carton jaune. Fraisier Cachelet qui cède sa place pour Ryan Gilbert pour consolider un peu plus. Pour consolider un peu plus. Et la Bolloise qui reprend l'avantage de points du fond de la petite canal. Et à ce coup franc qui est donc exécuté au second poteau, la tête directement dans la niche du pontier. Attention, parce qu'il y a un joueur qui est resté au sol. Il y a un joueur qui est resté au sol, apparemment c'est Joannem. C'est bien Joannem qui est resté au sol. Le fort du petit canal qui reprend l'avantage. En fait, la Bourgoisie reprend l'avantage au temps du fort du petit canal. Dans ce duel, après la leadership du Cotopin. La GSF qui mène d'un début à 0 Reginaldo au dépens de la frégate. Les dégagements. La tête. Et donc vous signalez que c'est terminé donc à Marie-Galante sur ce triste score de 3-0 pour la Red Star. Donc on termine sur Amical TV avec la fin de cette rencontre commentée par Joli Jérôme entre le Sporting et le Stade Lamantinois. Défaite donc 3-0 de l'Amical face à la Red Star. Match nul pour l'instant un partout entre le Sporting et le Stade Lamantinois. Et voilà, ça va être quand même une assez bonne opération pour le Stade Lamantinois. En revanche, pour le Sporting. Dans cette petite capsule. Voilà, tout va se jouer lors de la dernière journée contre le fort de Petit Canal.
Ça va être difficile. La tête de Dylan Rebac. Lionel Colonneau a manqué son dégagement. Richie Mita en retrait sur Mehdi Semak. Qui élimine son vis-à-vis. Mehdi Semak, attention à cette passe de Mehdi Semak. Jonah Eltol bousculé, mais l'avantage a été laissé. Attention à ce très bon appel de Jean-Pierre sur le côté droit. Le centre de Jean-Pierre qui est là pour prendre le ballon directement dans la niche du portier. Directement dans la niche du portier qui va pouvoir dégager. En tout cas, c'est ça la différence. Regardez la différence. Jean-Pierre, il est rentré. Regardez combien de centres qu'il a déjà fait, Jean-Pierre. Regardez combien de centres qu'il a déjà fait. Attention à ce ballon sur Chadru Mendy. La tête, deuxième ballon sur Zinho Alcis. Attention, il va partir sur son pied gauche. Il arrive à faire la différence. C'est ce ballon qui a du mal à dégager. Attention, et finalement, le Sporting dégage le ballon. Et ça va aller très vite. Intervention du portier. Voilà, ça c'est un gardien qui joue. Et voilà, il ne reste pas figé sur sa ligne. Mehdi Semak, il y a faute sur Mehdi Semak. Il y a faute sur Mehdi Semak. Un coup franc pour le Sporting Club de Maroc peut-être. Une occasion à venir pour les Bémarossiens. Attention, Marvin Guinole pour jouer ce ballon. Attention, ce ballon a été relâché, non. Et c'est bien joué. Relance. Mauvaise relance. Et ce ballon avec Marvin Guinole. Intervention, ce ballon a été récupéré. Attention à cette passe. Dylan Rebac. Et ça peut aller très vite. Danger pour le Sporting. A dit Robert Castri. Très bon retour. Ah, il n'y a pas jeu demain. Ah, il n'y avait pas jeu demain. Ah, il n'y avait du tout, à aucun moment il y avait jeu de main. À aucun moment il y avait jeu de main, il a raison. Il a raison. Adi Robert Castré, bonsoir. Le RAF 4, Raphaël Merval qui a su ce match avec nous. Et voilà la dernière situation pour le stade de la Matinoire avec Ryan Gilbert. Ah là là, le dégagement offensif de Ryan Gilbert. Et la mise centrale qui va à mettre fin, et la Juventus de Saint-Anne qui s'impose 1-0 dépend de l'Arsenal Club de Petit-Bourg qui est mathématiquement relégué en régional 2. L'Arsenal Club de Petit-Bourg qui est relégué en régional 2. Maintenant, tout va se jouer à la dernière journée pour le Sporting pour savoir qui vont jouer Pays d'Aron. Donc voilà. Et voilà, et c'est la fin. Et c'est la fin de ce match. Et c'est la fin de ce match. Voilà, match nul, un but partout. Match nul, un but partout entre le stade de la Matinois et le Sporting Club de Bémao. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Dans le ticket. Tout ce qu'on pouvait dire après cette triste prestation marie-galantaise, on va dire, contre la Red Star à domicile, défaite 3-0. Alors, je vous donne quand même le classement de cette poule A qui va nous donner tout simplement à la cinquième place le Stade Lamantinois avec 39 points. Le Sporting 6e et la Juventus 6e ex-aequo avec 38 points. Meilleure différence de but pour la Juventus. 8e, la Red Star qui passe donc devant aussi l'Amicale avec 37 points. Et donc l'Amicale de Marie-Galante se retrouve avec 35 points ce soir. Et 9e, ce qui veut dire qu'elle se retrouve en position de
d'être en play down et de jouer contre le huitième de la poule B. D'ailleurs, on va essayer de voir qui pourrait être ce huitième de la poule B. Le dernier de cette poule A, c'est bien sûr l'Arsenal de Petit-Bourg qui lui est d'ores et déjà en Régional 2. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire ce soir avec cette triste prestation marie-galantaise. Et décidément, les Marie-Galantais se dirigent tout droit vers les play-downs. Ça sera difficile. Le huitième pour l'instant de la poule A, c'est tout simplement le CA Marquisa, qui a beaucoup de retard sur la formation, parce que le CERFA de toute façon n'est pas concerné par ces play-downs à la septième place. Le sixième n'étant autre que la jeunesse sportive de Vieux Habitants, la JSVH, avec 36 points. Donc ça veut dire qu'ils ont 7 points de retard, le CA Marquisa. Donc ils devraient rester à cette 8e place de la poule B. Et donc, si ça continue, affronter l'amicale de Marie-Galante en play-down. Voilà donc, merci en tout cas de nous avoir tout de même suivis. Toujours très nombreux. Vous étiez plus de 120 à nous suivre en direct. Merci beaucoup. En tout cas, on remercie également Joli Jérôme de Total Sport de nous avoir permis de suivre à distance cette rencontre entre le Sporting et le Stade Lamantinois. Voilà. Écoutez, il n'y a rien d'autre à ajouter. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Dans le ticket critique, voilà.